Aujourd'hui, plongeons dans notre rubrique Savoir Plus. Nous nous plongeons dans l'univers palpitant du rallye, un sport imprégné de sensations fortes. Embarquez pour une nouvelle aventure sur le circuit de Diorobité en compagnie du pilote ivoirien Nobu Frédéric. Le rallye, c'est une course de rapidité sur des portions définies. Donc on a ce qu'on appelle un secteur compétitif dans lequel on doit aller le plus vite possible. Une fois qu'on sort de cette zone, on est tenu de rouler normalement, de respecter les règles de la circulation. Et au cumul de tous ces secteurs compétitifs, celui qui a fait le moins de temps est le vainqueur. Dans le championnat de Côte d'Ivoire, on a 9 compétitions. On est un peu dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Le circuit de Diorobité, comme vous pouvez lire sur le titre, c'est un top chrono. Donc le top chrono, c'est un circuit fermé. C'est bien sûr pour tester l'habilité des équipages, mais aussi permettre aux spectateurs de voir en fait une voiture. La contrainte du rallye, c'est qu'on est tous réunis à l'assistance, mais une fois que la voiture va sur les pistes, on ne nous voit plus, donc il faut aller sur les pistes. Alors mon histoire, elle est assez simple. C'est que j'ai reçu la passion de mon oncle qui faisait du rallye à l'époque, j'étais tout petit. Et il y a 15 ans, j'ai eu l'opportunité d'acheter une voiture de rallye. Là, sur un circuit comme ça, le copilote marque tous les virages, les distances. Et quand on roule, il nous ressort les éléments. Et là, accessoirement, j'ai la chance depuis deux compétitions de rouler avec mon fils. Sinon, mon copilote officiel attitré s'appelle Daniel Koulibaly. Il n'a pas pu être là aujourd'hui, mais mon fils le représente vraiment dignement. Voilà. Chez les Nobu, le rallye est bien plus qu'un simple passe-temps. C'est une véritable tradition familiale qui se transmet de génération en génération et de père en fils. Être copilote, c'est une sensation assez particulière parce que tu as l'impression que le rallye de ton pilote est entre tes mains. Parce que si tu donnes une mauvaise note, il va se tromper et la fin sera pas comme on l'espérait. Donc c'est assez de responsabilité, mais le fait d'être avec papa, ça me met assez en confiance, on va dire. C'est le deuxième rallye que je copilote. Je suis dedans depuis tout petit déjà. Je suis né, papa était déjà dedans. Donc la succession a fait que maintenant, c'est mon tour de rentrer dedans. Et puis je vais prendre la relève après. Et quand je pourrais me le permettre de prendre le volant, je pourrais le mettre à côté de moi et on va échanger les rôles. Gary Shane et son copilote Romain Coma ont pris la tête du classement dès la première spéciale du rallye de Diorobité 2024, devançant Nobu Frédéric et son fils. Ils ont réalisé un temps impressionnant de 4 minutes, 1 seconde et 901 centièmes. Malgré la conclusion de cette édition, l'enthousiasme reste palpable avec l'attente impatiente de futures aventures intenses sur la piste du rallye.